Hey, salut tout le monde, c'est Xuki, on se retrouve pour un nouveau défi de dueliste et aujourd'hui on va affronter Darts avec pas un nouveau deck, hein, puisque c'est un deck que j'utilisais déjà sur avant la mise à jour de Legacy of the Duelist, mais ça a été un petit peu remis au goût du jour puisqu'il y a pas mal de nouvelles cartes qui ont été mises, qui ont été rajoutées pour aider ce deck et aujourd'hui je vais utiliser le deck yeux bleus. Le deck yeux bleus, notamment le dernier deck de structure qui était sorti a rajouté pas mal de nouvelles cartes pour aider ce... Bah, pas forcément pour aider forcément le deck des yeux bleus, mais pour... Voilà, pour les decks... comment? De monstres dragons, ça aide beaucoup. Mais c'est vrai que ça combatte pas mal avec les esprits du dragon blanc. Alors, terraformation, très bien. Donc, Darts va utiliser un deck aromage. Ou aroma. Aroma ou aromage. Je sais pas si c'est pareil ou s'il y a une différence en fait. Très bien. Alors, on va du coup Ravin vœu solennel. Bon. Alors, ce qu'on va déjà faire, ça va être la carte de l'harmonie. On va défausser notre pierre blanche ancienne. Piocher deux cartes. Activer les ruines du grand dragon divin. Ensuite, on va mettre le ravin des dragons. On va activer son effet. Défausser un dragon. Pour... envoyer un monstre dragon depuis notre deck au cimetière. Donc alors, esprit du dragon blanc, on va l'envoyer au cimetière pour aller envoyer au cimetière qui est grand dragon d'or divin. D'ailleurs j'ai que bon, je reciterai le nom quand je le reverrai. Les cartes ont été envoyées, activer l'effet des cartes. Oui, il y a un hurlement d'argent. Je peux faire un hurlement d'argent et ça peut être très très bien. Donc on va activer justement cet effet, hurlement d'argent. Donc on va aller prendre l'esprit du dragon blanc et on va l'invoquer en mode attaque. Je vous présenterai plus en détail les cartes de ce deck durant la présentation de ce deck. Hein. Deck dragon blanc, jeu bleu nouvelle génération. Il faut porter et aussi tous les monstres que vous... Si un monstre à hommage face que vous avez détruit au combat ou par un effet de carte et envoyé au cimetière, gagnez 1000 life points. Ok, bon, il va falloir faire masse dégâts, du coup. Alors, on va, du coup, retirer du jeu une de ses cartes, puisqu'on l'a invoqué depuis le cimetière, donc, du coup, il acquiert cet effet. Enfin, cet effet, il peut détruire une carte magie ou piège. Alors, ça va être un deck heal en face. On va une phase. Un petit deck heal, comme on les aime, pierre blanche ancienne, on active son effet, hop. On va pouvoir invoquer un autre esprit du dragon blanc. Et on va détruire. Mais les ruines du grand dragon s'activent. Mais d'abord, l'esprit du dragon blanc va s'activer. On va détruire son jardin d'aroma, en fait. Puisque c'est un petit peu chiant. Ce deck, le deck yeux bleus, nouvelle génération, est un deck très, très efficace, en fait. C'est surtout un deck qui peut invoquer pas mal de gros monstres rapidement. Mais c'est surtout pour invoquer... comment dire ? C'est surtout, pourquoi je dis invoquer, je ne sais pas, surtout pour contrer un petit peu tous les decks Pendulum, puisqu'en fait, l'esprit du dragon blanc peut détruire les cartes Pendulum, et ça c'est bien, il peut les retirer du jeu, et il y a même leur copain, je sais plus comment il s'appelle, mon troisième dragon, puisque j'ai très peu de monstres dans mon deck, on va activer la transaction. On va envoyer l'esprit du dragon blanc au cimetière. Et non, je n'ai pas pioché la carte dont je ne cherchais le nom. Ravin des dragons. On peut en refaire une. Ouais. On va balancer un avertissement divin. C'est pas trop utile. Donc, dragon le large vaillant. Ça, c'est une carte qui va retirer du jeu autant de cartes possibles, de cartes magie ou pièges contrôlées par votre adversaire. Et du coup, cette carte va gagner 200 points d'attaque pour chaque carte. Hein. Donc par exemple, votre adversaire a deux monstres dans les échelles pendules, elles sont retirées du jeu et ça c'est bien. Ah non, j'en ai bien 3, j'avais zappé. Bon, du coup, on va en balancer un au cimetière. Et j'ai rien d'autre à faire. Je peux faire une invocation avec 6 de niveau 8, hein, de rang 8, mais bon. Tant que vous LP sont supérieurs à ceux de votre adversaire, les monstres face à... Si vous gagnez des health points... Ok, bon, on va détruire ton monstre, parce qu'à un moment, tu m'as saoulé. Et on va attaquer avec l'esprit du dragon blanc.
encore une fois, et au prochain tour, ça va être terrible pour toi, mon petit Darts. Ça va être terrible. Vol solennel, ok, oui, d'accord, tu gagnes tes 500 points, mais sauf que Dragon Lurch Vaillant va activer son effet, et on va pouvoir ramener un monstre de dragon de niveau 8 de notre cimetière. Donc soit l'esprit du grand dragon blanc, non, l'esprit du dragon blanc ou le grand dragon d'or divin. On va prendre dragon d'or divin, il faut faire maximum de dégâts, donc allez, on va l'invoquer. Et on va aller retirer du jeu un de ces monstres pour augmenter l'attaque de notre grand dragon d'or divin. Et on va retirer du jeu celui qui a un niveau le plus élevé, donc j'ai pas fait gaffe, Kalanga. Kalanga, aromage. Et du coup, notre monstre gagne 200 points... Non, c'est 100 points d'attaque pour chaque... pour le niveau multiple... 100 points d'attaque multipliés par le niveau du monstre de retiré du jeu. Ensuite, quoi d'autre à faire? Quoi d'autre à faire? On n'a pas grand chose d'autre à faire. Sauf si on veut activer le ravin des dragons. Pour envoyer au cimetière le dragon. Dragon de l'arche vaillant. Pour envoyer le dragon, grand dragon d'or divin. Ensuite, on n'a rien d'autre. On va battle phase. On va attaquer son monstre, la jarre d'aromage. Ah, c'est quoi? Si cette carte ne peut pas être détruite au combat tant qu'elle est face recto sur le terrain. C'est un face recto durant chaque... Eh bien, moi, je vais te détruire. Non. Et moi, je vais te détruire. Non. Apparemment, ça marche pas. Non, mais de toute façon, vous savez ce qu'on va faire. C'est qu'on va utiliser l'effet du dragon arche vaillant qu'on va activer pour ramener grand dragon d'or divin et on va pouvoir dégager son monstre qui va me bloquer. Hein, puisque là, il va être chiant. On va le mettre en mode attaque. Oui, ce deck est très très simple. C'est franchement le deck jeu bleu, en plus c'est un deck pas trop compliqué à faire, IRL. Je vais dire ça, mais en fait il faut avoir les esprits du dragon blanc aux yeux bleus, il faut avoir les pierres ainsi que les sages. Mais bon, tout ça, à part tout ça, ça peut aller, ça peut très bien aller. On va. J'espère qu'il n'y a pas encore son sablier là. Ok, Jasmine et Romage. Et je pense bien que là, c'est terminé. Hop, 2500. Et 2900, c'est terminé, mon pauvre petit Darts. Tu auras tenu plus longtemps que ton sbire, mais tu auras quand même perdu. Kalanga, Aromage, Bergamote, Aromage et Vent Humide. Ah bon, j'avais tant de cartes que ça qui manquait dans le deck de Darts. Bon, ok. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve la prochaine fois pour affronter Raphaël avec son deck, le Super Soldat. Le Super Soldat, je ne sais. Au début, je me disais que ça allait être les UA, donc les athlètes ultimes. Mais non, ça va pas être ça, je pense pas, les Super Soldats. Je ne sais pas ce que ça va être, mais on verra bien. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. On se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde.